Les verbes et les prépositions, because many persons have been asking me if it would be possible to actually make videos regarding this topic. So I will put here the first one and then we'll see when I will do the second one, third one, etc. Okay, uh, so let's see. And then, well, first thing that, well, clearly we should have in mind are the les mots -clés, so the key words or the keywords that we will use because when we're talking about preposition or construction, I will tend to use these words uh, actually quite often. So quelqu'un it's actually for someone or somebody, quelque chose something, and then quelque part somewhere or someplace. Okay. So let's see the first verb and the first verb that we'll see is accepter. Okay, and you can see here uh, the three constructions possible. The first one accepter quelqu'un, quelque chose. Then, accepter de plus infinitif, all right, then, accepter que plus subjonctif. D'accord, donc accepter quelqu'un, accepter quelque chose, accepter de plus verbe à l'infinitif, accepter que plus verbe au subjonctif. Deuxième verbe, accompagner, accompagner quelqu'un accompagner quelque chose or then it's possible to use this accompagner quelque chose de quelque chose okay? accompagner quelqu'un accompagner quelque chose or then accompagner quelque chose de quelque chose verbe numéro 3 admettre 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 quelqu'un admettre quelque chose alors il est possible de construire avec admettre plus infinitif verbe à l'infinitif. Alors, then admettre de plus infinitif en général forme négative so en if you want to use this structure then in most of the cases you will use this admettre à ad the negative form, okay? Admirer. Admirer, OK. So First one, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Okay, so in that case, so of course each time I say quelqu'un or quelque chose, it does mean that we don't have any proposition. Okay, admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. All right, or then admirer que plus verbe au subjonctif. Okay, donc admirer, admirer quelqu'un, admirer quelque chose. Admirer quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Admirer que plus verbe au subjonctif. Adorer. Adorer. Adorer quelqu'un. Adorer quelque chose. Then adorer quelqu'un de plus infinitif. Then it's possible to use this adorer plus verbe à l'infinitif. And the last but not the least, adorer que plus verbe au subjonctif. Affirmer. Affirmer. Première possibilité, affirmer quelque chose. Pas de préposition. Or then, affirmer plus verbe à l'infinitif. And then, affirmer que plus verbe à l'indicatif. Okay, remember, you don't put subjonctif in that case, even if you introduce it with que, but then you put indicatif. Aider. First option, aider quelqu'un. There's so no preposition there. Aider à quelque chose. Or then aider quelqu'un à, and then the verb should be at the infinitive. Aider quelqu'un, aider à quelque chose, or aider quelqu'un à, and the verb at the infinitive. Aimer, aimer quelqu'un ou aimer quelque chose. Or then it's possible to just put the verb at the infinitive form after. Aimer plus infinitif, ok? Then aimer quelqu'un de plus infinitif. And the last one, aimer que plus subjonctif. And in most of the cases, we tend to use this structure when the verb aimer is conjugated at the conditionnel passé. Uh, sorry, conditionnel présent form. Ok? So Aimer, and then conditionnel, add the conditionnel présent form, plus que, plus subjonctif. okay So, quelqu'un, quelque chose, or then with an infinitive form, quelqu'un de plus infinitif, or then que plus subjonctif. Aller. Aller quelque part, so in that case I've been listing few prepositions, okay, en, au, au dans, à, sous, sur, etc. Okay, then aller plus infinitif. Or then, if you want to talk about uh, the place where someone is living, then we put this chez, okay, chez quelqu'un. Okay, aller quelque part, aller plus infinitif, aller chez quelqu'un. Annoncer, annoncer quelque chose à quelqu'un. Okay. annoncer quelque chose à quelqu'un. Then annoncer que plus indicatif. Ok, same thing here. Even if you get this que, then you don't introduce this subjonctif, but it's just indicative form. Verbs and prepositions, just because I've been receiving some quite positive feedback on that, so I thought that maybe we could continue. So it's the second part, and we'll discover uh, 10 or 11 verbs. I'm not really sure about that, but anyway, uh, we've got some keywords that uh, I will use quite often when I will explain the structures that you can make with these verbs. So the first one would be quelqu'un, someone, somebody, quelque chose, something, and then quelque part, somewhere, someplace. Okay, so they will be quite useful. And the first verb that we will see together is appartenir. Okay, so appartenir. And first structure that we can see with appartenir, you use the preposition a and then appartenir a quelqu'un ou quelque chose. Okay, second structure appartenir a quelqu'un, and then you will put the preposition de and it should be followed by the verb at the infinitive form. Okay. So, appartenir à quelqu'un, appartenir à quelque chose en en appartenir à quelqu'un de plus infinitif. D'accord Deuxième verbe, appeler. First structure, no preposition, appeler quelqu'un or en appeler quelque chose. OK, second structure, appeler quelqu'un, so no preposition à And then you, put, you will put, sorry, the, the verb at the infinitive form. Okay, so appeler quelqu'un, appeler quelque chose, appeler quelqu'un à plus infinitif. D'accord? Verbe suivant, apporter. Apporter quelque chose à quelqu'un. So you can see that you don't have any preposition first here. So apporter quelque chose à quelqu'un. then, same structure, no preposition, apporter quelque chose à quelque chose. all right, so let's see it one more time, apporter quelque chose à quelqu'un, apporter quelque chose à quelque chose. apprendre. okay, so you can see that i've been putting two meanings, so i will explain to you actually which one is concerned. Uh, regarding the structure that we will use. So, the first structure would be apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose, in that case, it will be connected to the meaning learn. So, the first meaning of apprendre, to learn. Okay? Apprendre quelque chose, no preposition. Second structure, no preposition. So, apprendre quelque chose à quelqu'un. So, in that case, this structure would be connected to the teach meaning. OK apprendre quelque chose à quelqu'un OK structure suivante apprendre quelque chose de quelqu'un OK so in that case this structure would be connected to the learn meaning apprendre quelque chose de quelqu'un OK apprendre à plus infinitif OK so the verb that you should put After should be at the infinitive form, so the basic form of the verb. Apprendre a plus infinitif, and then apprendre que plus indicatif. Be careful! It's not because we're using this que that it should be followed by the subjunctive. No, 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 no. In that case, you should put indicatif. Okay, so let's see that one more time. Apprendre quelque chose. OK, connected to learn. Apprendre quelque chose à quelqu'un, connected to teach. Apprendre quelque chose de quelqu'un. Apprendre à plus infinitif. Learn. Apprendre que plus indicatif. Learn. Okay. Verbe suivant, verbe arranger. Première structure, arranger quelqu'un, arranger quelque chose. So you can see that we don't have any preposition first. okay? so arranger quelqu'un, arranger quelque chose. Second option, we would have, second structure, arranger quelque chose à quelqu'un. D'accord? Arranger, arranger quelqu'un, arranger quelque chose, arranger quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe arrêter. Okay, arrêter means to stop. Première structure, pas de préposition. No preposition. So ar oh sorry, arrêter quelqu'un. Then arrêter quelque chose. D'accord. And then arrêter de plus infinitif. So the verb should be at the infinitive form here. Arrêter de plus infinitif. D'accord. So one more time, arrêter quelqu'un. Arrêter quelque chose, arrêter de plus verbe à l'infinitif. Arriver. So I've been uh, putting all the meanings not possible but uh, connected to the structures that we will see. Okay. And the first uh, two structures will actually be connected to this arrive uh, translation. Okay. Arriver quelque part. De preposition, the de preposition, or in that case, sorry about that. Yeah, you should put the dans a ou en, all right? So, and all the the, the well composition that you can make uh, with the, the the articles. Okay, so it could be dans la, dans le, dans les, then a à la, and then a plus le would become au, a plus les would become au, en, etc. So quelque part and in that case of course you should use this preposition or then it could be arrive de quelque part okay and same thing here so you could have this de de la du remember du it's when you combine the preposition de with the article le okay and then de you combine the preposition de with the article le okay so arriver arriver quelque part so with these prepositions and then arriver de quelque part so de de la du and de arriver so actually we can translate that with happen okay and in that case uh, arriver quelque chose à quelqu'un okay so you can see no preposition arriver quelque chose à quelqu'un arriver à quelqu'un de and in that case the verb that comes after should be at the infinitive form okay arriver à quelqu'un de okay and then arriver que and the verb should be at the subjonctif okay arriver que plus subjonctif all right so one more time arriver quelque chose à quelqu'un Arriver à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Arriver que plus verbe au subjonctif. And the last meaning would be manage or succeed, it's actually quite simple. Only one structure connected to this meaning, and it's arriver à plus verbe à l'infinitif. Okay, so arriver à plus infinitif. Let's see now the verb attendre. Attendre, and then same thing. So it could be uh, the first meaning would be to wait. Okay, but then we've got this expect meaning as well. So we'll see that right after. But then now it's only connected to wait. First structure, Ari, uh, sorry, attendre quelqu'un or quelque chose. Okay, so you can see no preposition here. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Or then second structure, attendre quelqu'un. Or quelque chose pour ok and then the verb should be at the infinitive form attendre quelqu'un ou quelque chose pour plus infinitif attendre de plus verbe à l'infinitif ok and the last one attendre que plus verbe au subjonctif ok so be careful The verb should be at uh, the subjonctif. OK, so one more time. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Attendre quelqu'un, quelque chose, pour, plus verbe à l'infinitif. Attendre de, plus verbe à l'infinitif. Attendre que, plus verbe au subjonctif. OK, and then it can mean as well uh, expect and then in that case the structure is attendre quelque chose de quelqu'un attendre quelque chose de quelqu'un okay and in that case the meaning would be to expect les verbes et les prépositions okay And then, well, a few keywords that we should uh, definitely um, see before starting. Quelqu'un, so because I will use them uh, quite often in these videos. So, Quelqu'un means someone, somebody. Quelque chose, something. Quelque part, somewhere or someplace. Okay? And we'll start with the first verb, and it's quite useful because it's avoir, to have. So, let's see the structures that we can make with this verb. Okay. So, the first one is avoir quelqu'un. So, you can see that we don't have any preposition right after uh, or right before. Um, then, the second structure we could build or we could make would be avoir quelque chose à. And then, the verb that will come after should be at the infinitive form. Okay? Avoir quelque chose à plus infinitif. Or then, just avoir à plus infinitif. Okay? So, here are the, the Three structures that we can make with avoir. Avoir quelqu'un, avoir quelque chose. Avoir quelque chose à plus infinitif. And then avoir à plus infinitif. Verbe suivant, verbe cacher. Cacher means to hide. And then cacher quelqu'un, cacher quelque chose. So you can see that we don't have any preposition here. Cacher quelque chose à. Quelqu'un. Same thing, no preposition before. Cacher que. And then be careful because it's not because you introduce uh, the structure of the verb with que that it should be at the subjunctive because in that case it shouldn't be at the subjunctive form but indicatif. Okay, so cacher que plus indicatif. Okay, so one more time. Cacher quelqu'un, cacher quelque chose, cacher. quelque chose à quelqu'un caché que plus verbe à l'indicatif, ok? Verbe suivant verbe causer, ok? And you can see that the translation is quite easy. Car, uh, causer quelque chose, ok? so une no proposition. Causer quelque chose, or then causer quelque chose à quelqu'un, d'accord? Causer quelque chose causer quelque chose à quelqu'un actually it's quite easy this one mm -hmm. let's see the next one and of course it's a bit more tricky it's the verb changer okay changer so first structure changer quelqu'un changer quelque chose okay so in that case you can see no preposition changer quelqu'un changer quelque chose second structure changer quelque chose pour Quelque chose. OK? Third structure, changer quelque chose contre quelque chose. OK? So, these two structures, the one with the pour and contre, actually, they mean the same thing. OK? Changer quelqu'un en quelque chose. Or then it could be changer quelque chose en quelque chose. And the last one could be changer de quelqu'un changer de quelque chose right, so one more time changer quelqu'un changer quelque chose changer quelque chose pour quelque chose changer quelque chose contre quelque chose changer quelqu'un en quelque chose changer quelque chose en quelque chose or then changer de quelqu'un or changer de quelque chose Verbe suivant, verbe choisir. And then, first structure, choisir quelqu'un, choisir quelque chose. So you can see we don't have any preposition before. And then it could be choisir entre quelqu'un et quelqu'un. In the same way, we could have choisir entre quelque chose et quelque chose. It could be also choisir ce que and then the verb should be at the indicatif right after okay and the last one would be choisir de and the verb should be at the infinitive form okay so one more time choisir quelqu'un choisir quelque chose choisir entre quelqu'un et quelqu'un choisir entre quelque chose et quelque chose choisir ce que plus verbe à l'indicatif choisir de plus verbe à l'infinitif. Le verbe suivant est le verbe commencer. Ok, and commencer means to start. Okay. first structure commencer quelque chose. Okay, no preposition, just commencer quelque chose. And then it could be also commencer par quelque chose. D'accord. And then commencer par, and then the verb should be at the infinitive form after. And the last one would be commencer à plus verbe à l'infinitif, ok, so one more time. Commencer quelque chose, commencer par quelque chose, commencer par plus verbe à l'infinitif, commencer à plus verbe à l'infinitif, d'accord? Verbe suivant, verbe comprendre. Comprendre quelqu'un, comprendre Quelque chose. So you can see that we don't put any prepositions before. Comprendre ce que plus verbe à l'indicatif. Comprendre que plus verbe à l'indicatif. And then comprendre que plus verbe au subjonctif. So you can see that we've got both options here. okay so i won't explain in this video the reason why because i've been uh, doing a video that uh, or many many videos that uh, cover the subjunctive topic okay and uh, well the situations when you should use this indicative or the subjunctive so uh, if you're not sure about uh, the difference between the two then I definitely advise you to watch these videos because, uh, well, you will understand the, the, the difference between the two. Okay? One more time. Comprendre quelqu'un, comprendre quelque chose. Comprendre ce que, plus verbe à l'indicatif. Comprendre que, plus verbe à l'indicatif. Comprendre que, plus verbe au subjonctif. Verbe suivant, verbe connaître. Connaître is well, means to know. and then first structure, no preposition, connaître quelqu'un, connaître quelque chose. second structure, connaître quelque chose à quelque chose. d'accord, connaître quelqu'un, connaître quelque chose, connaître quelque chose à quelque chose. verbe suivant, verbe conseiller, conseiller could be translated by advice or Counsel, première utilisation, première structure. No preposition. Conseiller quelqu'un, ok. And then conseiller quelque chose à quelqu'un, d'accord. Then conseiller à quelqu'un de, and the verb should be at the infinitive form right after. And then the last one, conseiller que plus subjonctif, ok. So one more time, conseiller conseiller quelqu'un conseiller quelque chose à quelqu'un conseiller à quelqu'un de plus infinitif conseiller que plus subjonctif Ok? verbe suivant verbe coûter OK coûter quelque chose pas de préposition coûter quelque chose on a coûter quelque chose à quelqu'un Then, coûter de plus verbe à l'infinitif. Ok, so coûter quelque chose, coûter quelque chose à quelqu'un, coûter de plus infinitif. Les verbes et les prépositions. Ok, but then first uh, we should definitely see some keywords because I will use them uh, when I will explain the structures that we'll make with the verbs. So, quelqu'un means someone, somebody, quelque chose. Something, quelque part, somewhere, someplace. So, quelqu'un, quelque chose, quelque part. Okay. First verb, and it's craindre. Okay, we get a translation here in English. So let's see now the structures that we can make with this verb. And the first one is craindre quelqu'un, craindre quelque chose. Okay, so you can see that we don't put any preposition. or then it can be craindre pour quelque chose. Ok, well then we can use this preposition de, craindre de, and then the verb that will come after should be at the infinitive form. And the last option we've got is craindre que, and then the verb should be at the subjonctif. Ok, so let's see with them one more time. Craindre quelqu'un, craindre quelque chose, craindre pour quelque chose, craindre de, plus verbe à l'infinitif craindre que plus verbe au subjonctif verbe suivant uh, croire and croire means to believe so we can see the structures here the first one la première craindre quelque, uh, sorry, croire quelqu'un croire quelque chose okay so you can see that we don't put any preposition here Second option would be croire à quelque chose. Option numéro 3, croire en quelqu'un. Croire en quelque chose. Ok. Then croire quelque chose de quelqu'un. Then croire, and after that you just put a verb at the infinitive. And the last option we would have would be croire que plus indicatif. Okay, remember it's not because we're using this que that we will put all the verbs at the subjunctive. Okay, I've been making some videos regarding this topic, so and especially in that case with croire, it should be at the indicatif. Okay, so one more time. Croire quelqu'un, croire quelque chose. croire à quelque chose croire en quelqu'un croire en quelque chose croire quelque chose de quelqu'un croire plus verbe à l'infinitif croire que plus verbe à l'indicatif the next verb is décider décider OK First structure, decider quelque chose. So you can see that we don't put any preposition here. Decider quelque chose. Okay. Second structure, decider de quelque chose. Decider quelqu'un a, and the verb should be at the infinitive after. Okay. Decider de, and the verb should be at the infinitive after. Or then, decider que. Plus indicatif. Okay, remember it's not with subjonctif, but indicatif. Okay, so one more time: décider quelque chose, décider de quelque chose, décider quelqu'un a plus verbe à l'infinitif, décider de plus verbe à l'infinitif, décider que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant verbe découvrir découvrir to discover it's actually quite simple because we've got two structures possible the first one no preposition découvrir quelqu'un découvrir quelque chose okay and well then découvrir que plus indicatif d'accord donc découvrir quelqu'un découvrir quelque chose découvrir que plus verbe à l'indicatif Verbe suivant, verbe demander. Première structure, demander quelqu'un, demander quelque chose. So no proposition here. Demander quelqu'un, demander quelque chose. Deuxième structure, demander quelque chose à quelqu'un. Demander à quelqu'un de, and the verb should be at the infinitive form after. OK so demander à quelqu'un de plus infinitif And the last one demander que plus verbe au subjonctif OK so one more time demander quelqu'un demander quelque chose demander quelque chose à quelqu'un demander à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif demander que plus verbe au subjonctif, and then the verb descendre, okay, means go down, take down. Première possibilité descendre quelque part, okay. descendre quelque part. Deuxième possibilité descendre quelqu'un, descendre quelque chose. No preposition here. Or then it could be descendre de quelqu'un, or then descendre de quelque chose. And the last one, descendre plus, verbe à l'infinitif. Ok, so one more time. Descendre quelque part, descendre quelqu'un, descendre quelque chose. Descendre de quelqu'un, descendre de quelque chose. And then descendre plus, verbe à l'infinitif. Détester. Détester quelqu'un, détester... Quelque chose. No preposition. Détester quelqu'un. Détester quelque chose. D'accord Then it could be détester plus verbe à l'infinitif. Détester que plus verbe au subjonctif. Ok So, one more time. Détester quelqu'un. Détester quelque chose. Détester plus verbe à l'infinitif. Détester que... Plus verbe au subjonctif. Dire. So we get two pages for this dire because it's uh, it's quite rich <laughs> when we're talking about the structures that we can make with this verb. Okay. So the first one, dire quelque chose. So no preposition here. Dire quelque chose. Okay. So you can have dire quelque chose à quelqu'un. Il te sera impossible de dire quelque chose de quelqu'un ou quelque chose, dire quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Ok, c'est so dire quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un, dire quelque chose de quelqu'un, dire quelque chose de quelque chose, dire quelque chose sur quelqu'un, dire quelque chose sur quelque chose. Ok Second page, as I said. Dire plus infinitif. Dire que plus verbe à l'indicatif. Dire ce que plus verbe à l'indicatif. Dire à quelqu'un de plus infinitif. Dire à quelqu'un que plus subjonctif. Alright, so you can see that in that case, well we can see that que here is followed by the indicatif, but then à quelqu'un que should be followed by the subjonctif. Okay, if you don't know how to make them, then check the channel and uh, try to find the subjunctive videos and uh, I explain you how to make them but then one more time so dire plus infinitif dire que plus indicatif dire ce que plus indicatif dire à quelqu'un de plus infinitif dire à quelqu'un que plus subjonctif discuter Discuter quelque chose. So you can see no proposition here, but then it's also possible to use this de discuter de quelque chose, or then discuter sur quelque chose. Okay, so discuter quelque chose, discuter de quelque chose, discuter sur quelque chose. Verbs et les prépositions, and it's the part number five, numero five. Uh, but then, first, we should uh, definitely see some keywords together. The first one will be quelqu'un because I will use these words quite often. So, and it means someone, somebody, and then quelque chose means something, quelque part, somewhere, someplace. Okay, so let's. Start right now, and the first verb is donner. Donner means to give. So a uh, first structure that you can make is donner quelque chose, okay, without any preposition. Or then you can have this donner quelque chose à quelqu'un, okay. Or then donner quelque chose pour quelqu'un. Or then pour quelque chose. All right. So one more time: donner, donner quelque chose, donner quelque chose à quelqu'un. Donner quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose. Okay? Second verb, douter. D'accord. Douter. And then, first structure, douter de quelqu'un or de quelque chose. Second structure, douter de plus. And then, the verb should be at the infinitive form, infinitif. Or then, the last structure, douter que and then your verb should be at the subjonctif form okay so one more time douter douter de quelqu'un douter de quelque chose douter de plus verbe à l'infinitif douter que plus verbe au subjonctif verbe suivant le verbe échanger Première structure, échanger quelque chose avec quelqu'un. OK, so no preposition before the quelque chose. Échanger quelque chose avec quelqu'un. Or then, échanger quelque chose contre quelque chose. OK, so two structures. The first one, échanger quelque chose avec quelqu'un. The second one, échanger quelque chose contre quelque chose. OK, and then the next verb is écouter. So quite useful. First structure, écouter quelqu'un ou quelque chose. So, no preposition before. Then, écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif. OK. And the last one, écouter ce que plus verbe à l'indicatif. OK. So, one more time. Écouter quelqu'un, écouter quelque chose. Écouter quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Or, then, écouter ce que plus verbe à L'indicatif. The next verb is écrire. And écrire is quite important as well because it means to write. First structure, écrire quelque chose. So, no preposition before. Écu uh, sorry, <laughs> écrire quelque chose. Then, second structure, écrire quelque chose à quelqu'un. OK. or then, écrire à quelqu'un de. And then the verb should be at the infinitive form, « infinitif ». And then « écrire à quelqu'un que » and the verb should be at the « indicatif ». Ok, so one more time. « Écrire quelque chose »,« écrire quelque chose à quelqu'un »,« écrire à quelqu'un de » plus « verbe à l'infinitif ». And then « écrire à quelqu'un que » plus « verbe à l'indicatif ». Okay, the next verb is embrasser. Embrasser means to kiss. And then, first structure, embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose. OK, no preposition. Embrasser quelque chose à quelqu'un. OK, so two structures. Embrasser quelqu'un, embrasser quelque chose. Or then, embrasser quelque chose à quelqu'un. The next verb is emmener. Première structure, emmener quelqu'un, no preposition, then emmener quelqu'un quelque part, or then emmener quelqu'un, and the verb should be at the infinitive form right after. Okay, so one more time, emmener quelqu'un, emmener quelqu'un quelque part, ou emmener quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Employer, let's see how it goes, employer quelqu'un employer quelque chose, ok, no preposition, employer quelqu'un ou quelque chose à, and in that case the verb should be at the infinitive form after, ok, so one more time, employer quelqu'un, employer quelque chose, employer quelqu'un ou quelque chose à, and then the verb at the infinitive form. Emprunter, emprunter. Première structure, emprunter quelque chose. Pas de préposition. Emprunter quelque chose à quelqu'un. OK, encore une fois, emprunter quelque chose, emprunter quelque chose à quelqu'un. Le verbe suivant, next verb, is engager. Engager quelqu'un, engager quelque chose. OK, so no preposition before. Engager quelqu'un à. And then the verb should be at the infinitive form. And then, engager quelque chose dans quelque chose. OK, so one more time. Engager quelqu'un, engager quelque chose, engager quelqu'un à plus verbe à l'infinitif, engager quelque chose dans quelque chose. Les verbes et les prépositions, and it's the part number six. But then the first thing that we should to, uh, see together are the keywords that I will use in this lesson. And the first one is quelqu'un, it means someone, somebody, quelque chose, something, quelque part, somewhere, or someplace. Okay, and we'll see the first verb. And the first verb is enseigner. Okay, so let's start now enseigner quelque chose, so without any preposition here enseigner quelque chose à. Quelqu'un, okay. Well, then you can use enseigner à, and then the verb that should be after uh, must be at the infinitive form, okay. Enseigner comment, same thing here. You should put the verb at the infinitive form, okay. And the last one, enseigner que, and then the verb should be at the indicative form. Be careful, it's not because it's introduced by que that it should be at the subjunctive, because in that case. Your verb should be at the indicatif. OK? So let's see them one more time. Enseigner quelque chose, enseigner quelque chose à quelqu'un, enseigner à plus verbe à l'infinitif, enseigner comment plus verbe à l'infinitif, enseigner que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant entendre entendre quelqu'un entendre quelque chose pas de préposition entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif entendre quelqu'un ou quelque chose qui and then the verb should be at the indicative form entendre que okay and in that case you've got two options whether indicative or conditionnel et then the last one, entendre ce que plus indicatif. Okay, so one more time. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose, entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif, entendre quelqu'un quelque chose qui plus verbe à l'indicatif, entendre que plus verbe à l'indicatif ou Verbe au conditionnel. Entendre ce que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant. Entrer. Entrer quelque part. So in that case, we can use many prepositions. I just brought three of them, but then it could be a, ah", en »,« dans, etc. And then entrer quelque chose. Okay. Entrer quelque part, à, en, dans, etc. Entrer quelque chose. Verbe suivant, verbe envoyer. Envoyer. Première structure, envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose. Pas de préposition. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Okay. Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus infinitif. And the last one. Envoyer quelqu'un plus infinitif. Ok, so let's see them one more time. Envoyer quelqu'un. Envoyer quelque chose. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus verbe à l'infinitif. Envoyer quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe espérer. Première structure, espérer quelque chose. Pas de préposition Espérer plus. Infinitif. Espérer que plus indicatif. D'accord Une fois. <laughs> Encore une fois. Sorry about that. Espérer quelque chose. Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. Verbe suivant. Essayer. Première structure essayer quelque chose. Pas de préposition ici. Deuxième structure essayer de plus infinitif. OK, so one more time. Essayer essayer quelque chose. Essayer de plus infinitif. Verbe suivant verbe excuser. Première structure, excusez quelqu'un, excusez quelque chose. Pas de préposition. Deuxième, excusez quelqu'un pour quelque chose. Troisième structure, excusez quelqu'un de quelque chose. Dernière structure, excusez de plus infinitif. Ok, so, excusez. Excusez quelqu'un, excusez quelque chose, excusez quelqu'un pour quelque chose, excusez quelqu'un de quelque chose, excusez de plus infinitif. Verbe suivant, verbe expliquer, expliquer, expliquer quelque chose, pas de préposition expliquer quelque chose à quelqu'un, expliquer comment plus infinitif. Oh, then it's also possible to use this expliquer comment plus verbe à l'indicatif. Expliquer ce que plus verbe à l'indicatif. expliquer que plus verbal indicatif or it's also possible to use the subjunctive form okay if you've got a doubt here whether you should use indicative or subjunctive i have been making some videos regarding the different of uses uh, concerning indicative and subjunctive so you should definitely have a look at these videos OK? One more time. Expliquer quelque chose, expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Expliquer comment plus indicatif. Expliquer ce que plus indicatif. Expliquer que plus indicatif ou subjonctif. Verbe suivant, verbe falloir. Falloir. Première structure falloir quelque chose. So no preposition before. Deuxième structure falloir quelque chose à quelqu'un. Troisième structure falloir plus verbe à l'infinitif. Falloir quelque chose pour plus verbe à l'infinitif. And last but not least, falloir que plus verbe au subjonctif OK one more time falloir quelque chose falloir quelque chose à quelqu'un falloir plus infinitif falloir quelque chose pour plus infinitif falloir que plus subjonctif verbe suivant verbe féliciter Première structure, féliciter quelqu'un pour quelque chose. Deuxième structure, féliciter quelqu'un de quelque chose. Troisième structure, féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. OK, so one more time, féliciter. Féliciter quelqu'un pour quelque chose. Féliciter quelqu'un de quelque chose. Féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif. Les verbes et les prépositions. And it's the number eight. Okay. So, but before starting, we should definitely see some key words together because I will use them quite often in this video. The first one is quelqu'un and it means someone or somebody. Then quelque chose, something. And then quelque part, somewhere or someplace. Okay and we can start with the first verb, and it is fermer. okay, so let's see now the structures we've got with fermer. and first one, la première, c'est fermer quelque chose. okay, pas de préposition. fermer quelque chose. deuxième structure, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose. okay, encore une fois, fermer quelque chose, fermer quelque chose à quelqu'un ou quelque chose deuxième verbe verbe finir verbe finir première structure finir quelque chose pas de préposition finir quelque chose finir quelque chose plus un adverbe finir par quelque chose finir avec quelque chose finir par plus verbe à l'infinitif finir de plus verbe à l'infinitif. Ok, so you can see many structures, so we will see them one more time. Finir quelque chose, finir quelque chose plus un adverbe, finir par quelque chose, finir avec quelque chose, finir par plus verbe à l'infinitif, finir de plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe fonder, fonder regardons les structures ensemble fonder quelque chose pas de préposition fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose OK le one more time encore une fois fonder quelque chose fonder quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose verbe suivant verbe forcer forcer première structure forcer quelqu'un forcer quelque chose pas de préposition forcer Quelqu'un a quelque chose. Forcer quelqu'un a plus verbe à l'infinitif. OK Encore une fois, forcer quelqu'un, forcer quelque chose. Forcer quelqu'un a quelque chose. Forcer quelqu'un a plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe gagner. Gagner, trois structures. Première structure, gagner quelque chose. Pas de préposition. Gagner quelque chose. Gagner en quelque chose. Troisième structure. Gagner à plus verbe à l'infinitif. Gagner quelque chose. Gagner en quelque chose. Gagner à plus verbe à l'infinitif. Verbe suivant. Verbe garder. Garder. Trois structures, garder quelqu'un, garder quelque chose. Pas de préposition. Garder quelque chose de quelqu'un, garder quelque chose à quelqu'un. D'accord Garder quelqu'un, garder quelque chose, garder quelque chose de quelqu'un, garder quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe grandir. Grandir, trois structures possibles. Grandir quelqu'un pas de préposition grandir de quelque chose grandir de plus verbe à l'infinitif d'accord trois structures la première grandir quelqu'un grandir de quelque chose pour la deuxième grandir de plus verbe à l'infinitif pour la troisième verbe suivant verbe grossir 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 quelqu'un ou grossir quelque chose. Grossir de quelque chose. Donc grossir quelqu'un, grossir quelque chose, grossir de quelque chose. Verbe suivant, verbe habiller, habiller, habiller quelqu'un, habiller quelque chose. Habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. D'accord Habiller quelqu'un, habiller quelque chose, habiller quelqu'un en quelqu'un ou quelque chose. Verbe hésiter, hésiter, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose. Ok Hésiter dans quelque chose. Hésiter sur quelque chose. Et le dernier, hésiter à plus verbe à l'infinitif. D'accord Donc encore une fois, hésiter entre quelqu'un, quelque chose et quelqu'un ou quelque chose. Hésiter dans quelque chose. Hésiter sur quelque chose. Hésiter à plus verbe à l'infinitif. Les verbes et les prépositions, et c'est le numéro 9. Mais then, before starting, we should definitely see some keywords together because I will use them quite often in this video. So quelqu'un, quelque chose, quelque part. OK Quelqu'un, quelque chose, quelque part. Et le premier verbe est le verbe ignorer. Ignorer. Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose. Pas de préposition. Ignorer que plus verbe à l'indicatif. Ignorer si plus verbe à l'indicatif. D'accord Ignorer quelqu'un, ignorer quelque chose. Ignorer que plus verbe à l'indicatif. Ignorer si plus verbe à l'indicatif. Imaginez. Imaginez quelqu'un, imaginez quelque chose. Pas de préposition. Imaginez quelqu'un plus infinitif. Imaginez plus infinitif. Imaginez que plus verbe à l'indicatif. D'accord Imaginez quelqu'un, imaginez quelque chose. Imaginez quelqu'un plus infinitif. Imaginez plus infinitif, imaginez que plus indicatif. Verbe suivant, imposer. Imposer quelqu'un, imposer quelque chose. Pas de préposition. Imposer quelqu'un quelque chose à quelqu'un quelque chose. Imposer à quelqu'un de plus infinitif. Imposer que plus subjonctif. Donc imposer quelqu'un, imposer quelque chose, imposer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un ou quelque chose, imposer à quelqu'un de plus infinitif, imposer que plus subjonctif. Verbe suivant indiquer indiquer quelque chose indiquer quelque chose à quelqu'un indiquer que plus indicatif indiquer comment plus infinitif indiquer quelque chose indiquer quelque chose à quelqu'un indiquer que plus indicatif indiquer comment plus Infinitif. Verbe suivant. Interdire. Interdire quelque chose. Interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire de plus infinitif. D'accord Interdire quelque chose. Interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire de plus infinitif. Introduire, oops, should be introduce here, missing. introduire quelque chose, introduire quelque chose dans quelque chose, introduire quelqu'un auprès de quelqu'un. D'accord Introduire quelque chose, introduire quelque chose dans quelque chose, introduire quelqu'un auprès de quelqu'un. Inviter, inviter quelqu'un, inviter quelqu'un quelque part, inviter quelqu'un à plus infinitif, inviter à quelque chose. D'accord Inviter quelqu'un, inviter quelqu'un quelque part, inviter quelqu'un à plus infinitif, inviter à quelque chose. Jeter, jeter quelqu'un dehors. Jeter quelque chose, jeter quelque chose quelque part. Jeter quelqu'un dehors, jeter quelque chose, jeter quelque chose quelque part. Verbe jouer. Jouer quelque chose. Jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose. Jouer de quelque chose. Jouer quelque chose. Jouer avec quelqu'un ou quelque chose. Jouer à quelque chose. Jouer de quelque chose. Laisser. Laisser quelqu'un laisser quelque chose. Laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part. Laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif. Laisser quelqu'un quelque chose à quelqu'un. Laisser à plus infinitif. Encore une fois, laisser quelqu'un, laisser quelque chose, laisser quelqu'un ou quelque chose quelque part, laisser quelqu'un ou quelque chose plus infinitif, laisser quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un, ou laisser à plus infinitif.